L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Allez, bienvenue dans ce hors-série L'ère du client. On va parler, vous savez, c'est un hors-série à épisode. On a déjà parlé de l'expérience client, comment elle transformait le marketing, comment elle transformait les métiers des commerciaux, comment elle transformait la relation, le service client. On a vu aussi, tiens, comment l'expérience client, comment le client s'intégrait aussi dans le monde du retail. Et puis, bien entendu, on a eu cette émission aussi où on voit que ça remonte jusqu'au DG, que lui aussi doit tenir compte aujourd'hui de tout ce qui concerne le client de son entreprise. Alors, aujourd'hui, on va parler de ces nouveaux modèles d'innovation. De plus en plus, les grands groupes expérimentent de nouvelles façons d'innover. Alors, en interne, certes, peut-être créer des start-up en interne, mais aussi beaucoup en externe, en travaillant avec leurs clients, avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, des start-up. On appelle ça l'open innovation. C'est un peu le terme qui regroupe tout ça. Et puis, les modèles, c'est des Fab Labs, c'est des hackathons, c'est tout un tas de nouveaux modèles. Le top management doit identifier justement les nouveaux territoires de business des entreprises. Et on va en parler avec nos invités, savoir si les entreprises acceptent justement bien ces nouveaux modèles d'innovation. On en parle avec nos invités. Isabelle Bascou, qui est directrice du service SNCF Voyage. Bonjour. Bonjour. Isabelle, merci d'être avec nous. Et Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France. Bonjour Olivier. Bonjour. Et bienvenue. Alors, on aura aussi dans cette émission les témoignages. C'était à Dreamforce. C'était le grand rassemblement de Salesforce. Plus de 170 000 personnes sont là-bas à San Francisco pendant plusieurs jours pour écouter des témoignages, partager des expériences. Et justement, on retrouvera les témoignages de Michelin, Accor Hotel et d'une start-up qui s'appelle Zen Connect. Alors, on va démarrer avec vous, Isabelle Bascou. Donc, on parle de ces nouveaux modèles d'innovation. Et alors, comment on fait quand on est la SNCF? Donc voilà, on connaît l'histoire de la SNCF, il y a un poids historique, il y a un existant. Et puis à côté, on a des clients qui sont de plus en plus mobiles, agiles, ils ont leur mobile et ils veulent, ils continuent à voyager quand même, heureusement. Absolument. Heureusement pour vous et puis pour nous aussi d'avoir du Absolument. Train pour voyager. Et puis, mais parfois ils passent. Alors, ils passent par vos trains, mais ils ne passent plus par vos services. Il y a une concurrence aujourd'hui à travers d'autres plateformes, alors, des concurrents qui viennent du digital, de la relation client. Alors, comment on fait aujourd'hui pour combiner, pour innover des clients agiles, des concurrents qui viennent, qui ne sont pas des concurrents du secteur, et puis un existant fort? Eh bien, on se met très fortement à l'écoute du client, justement, à différents niveaux. Et on attrape... Nous, on a attrapé deux enjeux forts, qui sont les enjeux de chiffre d'affaires et les enjeux de satisfaction client. Donc, on fait deux choses. Sur le chiffre d'affaires, on attrape la contrainte avec comme un élément d'opportunité, en se disant finalement, quand on a un univers aussi contraint que le nôtre, avec du temps long, parce que le ferroviaire est en temps long et lourd, on est industrie, comment est-ce qu'on invente à l'intérieur des modèles qui nous permettent d'être plus agiles, de répondre aux nouveaux comportements? Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre. Alors, il y a ce site voyagesncf.com que oui, tu connais, qui est le meilleur distributeur de France, qui transforme absolument. Aussi, puis qui a revu aussi sa nouvelle façon de gérer le client. Oui. Auparavant, on achetait juste un billet de train et puis on nous disait, voilà, il faut être à 12h15 à tel endroit, à telle gare, et vous arriverez à 17h à telle autre gare. Là, aujourd'hui, c'est où êtes-vous? À quel endroit êtes-vous lorsque vous partez? À quel endroit allez-vous pour arriver? Et on s'occupe de tout, donc avec du VTC, du train, du car. C'est la multi, aussi. Absolument. Ça, c'est le parcours client en grand. Mais ce qui est important de comprendre, et je crois que les plus fortes innovations qui intéressent aussi les grosses entreprises comme les nôtres, c'est les innovations qu'on a pu faire sur les produits, en fait. Parce que nous, par exemple, on a inventé aussi grâce à Salesforce et après avoir fait un Dreamforce qui nous a fait beaucoup bouger, réfléchir. On a inventé un nouveau produit qui s'appelle TGV Max et qui est le premier abonnement illimité du train. Et ça a été une façon pour nous d'abord de récupérer une clientèle nouvelle, dans le sens où les jeunes ne venaient presque plus au train, ils pensaient que c'était trop cher, puis trop compliqué. Les jeunes, vous l'avez dit, les comportements, c'est de la simplicité, de l'immédiateté. Et chez nous, l'usage est plutôt de réserver en amont, parce que le système est comme ça. Donc, on n'arrivait pas à réattraper cette clientèle. Et donc, on a inventé un abonnement qui est purement digital, où on réserve tout sur son smartphone et on peut bouger autant qu'on veut et partout en France. Donc, alors justement, Isabelle Bascou, la genèse de ce projet, c'est né comment? Parce que c'est des gens de la SNCF, on dit on travaille avec ses clients, mais voilà, comment on réussit à faire cette combinaison? En fait, il faut...
Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est ce qu'on appelle des frottements positifs, c'est-à-dire chercher les gens qui vont nous permettre d'adapter des modèles, en fait, pour optimiser le nôtre. Donc là, on était allé à Dreamforce, on avait vu une jolie boîte qui s'appelle Zuora, qui est une boîte spécialiste dans le système d'abonnement. Et puis on a beaucoup travaillé avec Salesforce sur cette approche du client qui le met au centre et qui nous permet de créer des plateformes. Et en fait, ce qui nous paraissait impossible à l'époque, c'est-à-dire de créer un système simple qui permet de la réservation, qui permet de l'optimisation, s'est déroulé assez rapidement. Donc le plus complexe a été de créer le modèle économique. C'était totalement nouveau dans le ferroviaire, en fait. Ça ne s'était jamais fait. Et donc ça, on est allé voir des clients, mais aussi des agents, en leur posant des questions, en constatant sur place la façon de gérer, les envies, les mots qui venaient assez naturellement. Je vais pouvoir rentrer chez moi, je vais pouvoir aller voir mes copains, etc., etc. Et on a intégré tout ça, et avec un système assez léger qu'on a développé en 8 mois, c'est dans les modes agiles aujourd'hui, voilà. Assez exceptionnel, assez rapide, donc en mode agile. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on prend des équipes mixtes, on les sort du run, on les met à côté en mode projet, même dans des locaux très collaboratifs qu'on a complètement construits là-dessus pour casser les silos, avec un objectif projet très clair. Et puis on favorise l'action sur la perfection. Et ça, c'est une bonne façon de faire. Ça veut dire, et après je poserai la question Olivier derrière, ça veut dire aussi des changements dans le management, parce qu'on entend beaucoup de gens, voilà, on les sort de leur service actuel, on les met, ça c'est le monde idyllique, et puis on sait que dans les entreprises... mais on connaît beaucoup d'entreprises qui ont, voilà, il faut le faire accepter ça aussi par les organisations, c'est-à-dire un manager à qui on dit, voilà, on va t'enlever ces deux personnes-là parce qu'ils ont des super idées, et on va les mettre pendant 6 mois, 8 mois là, à travailler sur un autre projet. Il faut que ça s'accepte. Toutes les entreprises, enfin, j'ai des exemples aujourd'hui de grandes entreprises où, voilà, c'est un peu grincer des dents. Voilà, il faut trouver les bons chez arguments. Chez nous, d'abord, on est une entreprise assez solidaire, donc on est habitué aussi à ces modes-là. C'est un peu dans les gènes de la maison. Et puis, on a une telle appétence d'aller vite et de montrer à nos clients et au marché qu'on sait aller vite, qu'on sait être en time to market, qu'on est moderne et innovant pour eux, que non, ça nous drive mal et on y arrive. C'est plutôt... Olivier Derrien, on fait comment? Alors, la plateforme, c'est bien, mais voilà, il y a un état d'esprit aussi à trouver autour de... Alors, les observations en écoutant Isabelle, c'est d'abord que beaucoup de choses viennent du comportement des jeunes avec les nouvelles technologies qui touchent aujourd'hui tout le monde, mais ça a commencé par une nouvelle génération en fait qui est née dans la nouvelle technologie, dans les révolutions numériques. Deuxièmement, il faut des applications simples à utiliser, il faut les mettre en œuvre assez rapidement, et alors qu'on est dans une émission qui s'appelle l'ère du client ici, pour que ça marche bien, il faut réapprendre à bien travailler ensemble dans les entreprises. Oui. Et ça, c'est assez fondamental. Alors, ça peut se faire en détachant des gens pendant 6 mois, mais ça peut se faire aussi en détachant des gens pendant 2 jours par semaine, tout en les gardant 3 jours par semaine dans le métier d'avant. Donc, ça peut se faire de façon assez flexible, mais il n'y a pas des bonnes expériences clients s'il n'y a pas une motivation des employés dans les entreprises. Et nous, on apprend ça tous les jours chez nos clients. On fait plein d'applications avec la plateforme pour les ressources humaines. La réservation des salles, le partage des objectifs prioritaires des uns ou des autres sur le mobile. Et ça aide les gens à mieux travailler ensemble, et quelque part, c'est le client qui va en bénéficier. Alors justement, dans les clients dont on va parler de Michelin qui était présent donc à Dreamforce. Et on va écouter Eric Chagnot, c'est le Chief Digital Officer de Michelin. Il explique un peu comment les clients aussi les font participer. Ils sont au cœur de leur stratégie de développement. Allez, on écoute ce court extrait, puis on se retrouve juste après. Pour nous, c'est vraiment 3 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle le marché des 7 milliards de personnes. Donc le digital, pour nous, ça doit être un moyen de s'engager, d'être connecté et vraiment d'être très proche de tous les clients et de personnaliser un certain nombre de services pour eux. La deuxième chose, c'est grâce à cette connexion, eh bien, on pense qu'on sera capable de faire du co-design de services avec nos clients, avec nos 7 milliards de clients. Et le dernier point qui est très important pour nous, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Donc on va compter sur nos employés pour être capable de donner à nos clients des services digitaux formidables. Eh bien, vous savez quoi, il va falloir qu'on donne à nos employés des services digitaux formidables aussi.
Oui, la symétrie dont nous parle là Eric Chagnot, CEO de Michelin, Isabelle Bascou, on la vit aussi à la SNCF, j'imagine. Absolument, et c'est absolument déterminant. Nous, on a commencé il y a quelques années en dotant notamment nos agents en contact, ils sont 12 000 chez nous, l'ensemble des agents, donc les vendeurs, les agents qui accueillent en gare, les chefs de bord et leur équipage, et puis les centres de relations clients à distance. On a essayé de les équiper très rapidement de l'ensemble des outils qui leur permettent de se comporter finalement comme leurs clients, mais aussi comme dans la vie normale. Il n'y a pas un outil de l'entreprise aujourd'hui, un outil hors entreprise. Quand on entendait Eric Chagnot parler de co-design avec les clients, vous avez fait intervenir des clients oui. Concrètement, voilà, souvent. Par des questionnaires, oui, mais est-ce qu'ils ont participé à des groupes d'études? On fait des groupes d'études extrêmement réguliers sur chaque changement. On le fait aussi sur nos nouveaux produits, nos nouvelles offres. Et ça fait partie de toutes ces critères. Pour ce voyage, Olivier Derrien. En parlant de voyage et de Dreamforce, c'est aussi pour ça qu'on a créé Dreamforce, pour permettre de sortir aussi... Donc Dreamforce, c'est le grand salon. C'est le grand salon. L'objectif numéro un, c'est des milliers de clients qui parlent à des milliers de clients. Et on est plus de 170 000 à la fin. Et c'est d'essayer de sortir de son écosystème direct pour récupérer ou pour trouver de bonnes idées avec d'autres sociétés. Alors, il y a beaucoup de témoins français. Il y a AXA France, il y a Schneider, il y a Accor, il y a Michelin, il y a Goodgoo, il y a SNCF. Et on est très fiers à chaque fois. Mais on revient avec des idées de projets qui ont marché et d'obstacles qui ont été un peu plus durs à franchir pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et c'est ça l'idée du partage ou de l'écosystème, c'est d'ouvrir les frontières de ses oreilles, d'ouvrir ses oreilles à des retours d'expérience. Alors c'est ce qu'on a vu aussi, parce que nous, Sébastien Coinon, qui présente Tech & Co, était à Dreamforce, et là, il a rencontré aussi, alors c'est le patron, c'est Vincent Gérard, qui est le responsable de la relation B2B chez Accor Hotel. On écoute son témoignage justement pour comment, chez Accor Hotel aussi, ils mettent le client au cœur de leur stratégie. L'avantage d'un éditeur d'un service comme Salesforce pour un groupe comme Accor Hotel, c'est d'unifier sa relation client B2B. Auparavant, on avait des clients qui étaient présents partout dans le monde. On a plus d'une trentaine de bureaux des ventes dans le monde. Mais un même compte était animé différemment, que ce soit en Corée, en France ou en Amérique latine. Un outil comme Salesforce nous permet d'unifier cette relation, d'avoir des process communs et puis surtout d'avoir des équipes worldwide qui collaborent de façon unifiée autour des mêmes clients. Donc aujourd'hui, mon collègue en charge du compte Samsung à Paris peut très facilement collaborer avec son collègue en Corée autour des problématiques que l'on va avoir avec le client Samsung, ce qui n'était pas possible auparavant. Et le directeur de l'hôtel, lui, il se trouve au milieu de tout ça, il peut aussi interagir, voir l'évolution des discussions. Tout à fait, grâce au Community Cloud de Salesforce, directement dans l'hôtel, les équipes commerciales de l'hôtel vont avoir accès à tous les éléments business d'un même compte. Les contrats en cours, les contrats actifs en cours de négociation, les informations clés pour animer la relation commerciale avec ce client. Donc on voit comment justement on unifie ces données, on voit toute cette plateforme qui se met en place. Olivier Derrien, c'est ça. Alors là, il cite bien Salesforce sur les outils, mais enfin, ils sont là aussi pour ça. Mais on voit tout l'intérêt du service offert au client par derrière, quoi, Olivier Derrien. Je crois que c'est un service à valeur ajoutée. Et il faut trouver le service qui va bien pour conserver ses clients et pour attirer d'autres clients et qu'ils soient aussi contents que quand ils utilisent les grandes applications qu'on connaît tous, qui existent depuis des années et des années et qui font fureur. Nous, on a le même sujet dans nos différents points de vente, nos différentes gares, etc. C'est vrai qu'un client, il est heureux d'être reconnu avec un service adapté où qu'il se trouve sur le territoire et avec l'ensemble de nos produits, par exemple, qu'il ait pris le low cost chez nous, Ouigo ou TGV, et qu'il soit à Paris, à Bordeaux ou à Nice. Olivier Derrien. Le nerf de la guerre va devenir l'aide qu'on peut fournir à chaque employé à se former ou se reformer pour contribuer à cette révolution numérique. Et c'est pour ça qu'un des thèmes de Dreamforce la semaine dernière, c'était nous ce qu'on appelle Trailhead, et on nomme tous nos clients des Trailblazers. Alors en anglais, on pourrait dire des pionniers, en français, pardon, on pourrait dire des pionniers ou des précurseurs ou des défricheurs ou des aventuriers, mais se former aux nouvelles technologies, comprendre que bien entendu, c'est facile quand on est jeune, mais c'est très possible quand on est moins jeune, comme moi. Et moi, je suis un utilisateur de ces outils de formation, et grâce à ça, je contribue beaucoup plus facilement dans ma propre entreprise à un travail en commun.
Alors, autre témoignage, enfin, on reste toujours avec Éric Chagnot là, de Michelin, mais une autre partie de son témoignage, c'était de parler justement autour de qu'est-ce qu'il me sent quand on dit, voilà, je vais mettre l'expérience client au centre de mon cœur d'innovation et tout ça. Et lui dit, voilà, moi, ce qui est important, c'est cette plateforme de CRM que l'on a vue au départ comme une plateforme de relations clients. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va innover. C'est le thème justement de notre hors-série aujourd'hui. Allez, on l'écoute. La meilleure manière de voir si une société est vraiment centrée sur le client, il faut juste regarder les bases de données de cette société. Et donc, si les bases de données de cette société sont centrées sur la société elle-même, à ce moment-là, la société va dire qu'elle est focalisée sur les clients, mais elle n'y est pas vraiment. D'accord ? Si les bases de données d'une société sont focalisées sur les clients, à ce moment-là, on sait qu'ils sont focalisés sur les clients. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de mettre le CRM au cœur de l'écosystème qu'on met pour nos clients. Parce que pour nous, c'est vraiment un moyen très fort de montrer en interne et à l'externe que le client doit être au cœur de tout ce qu'on fait. Et autour de ce cœur, eh bien, on va rajouter un certain nombre de plateformes digitales. Mais encore une fois, donc pour nous, c'est le moyen de le faire. Et vous avez raison, on a beaucoup de clients. On a des installateurs de pneus, on a des consommateurs. On va avoir, vous savez qu'on fait beaucoup de business dans le monde des mines. Et donc, on est capable d'adresser tous ces clients, encore une fois, avec cette plateforme de CRM. Ouais, c'est ce que disait Olivier Derrien. On utilisait ces plateformes. Alors, c'est Éric Chagnot, hein, qui est le Chief Digital Officer de Michelin, qui le disait. On utilisait ce CRM un peu relation client. C'était le commercial qui l'utilisait, mmh. voilà, pour entretenir la relation avec ses clients, savoir où il en était de ses comptes. Et aujourd'hui, non, on va utiliser toutes les informations que peuvent nous donner ces bases pour alimenter des nouveaux services. Il faut que la plateforme soit modulaire. Mmh. Ça peut même mettre tout d'un coup un pneu, dans le cas de Michelin, qui va parler et qui va se connecter aux données sur le distributeur ou sur l'usine ou sur le client. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il faut aussi une plateforme qui permette d'intégrer énormément d'applications à ses côtés. Et donc, il y a une dizaine d'années, nous, on a décidé chez Salesforce, en regardant ce problème, de créer une plateforme, un écosystème. Et aujourd'hui, on a 4000 partenaires. C'est comme ça s'appelle App Exchange chez nous, mais vous connaissez App Store, mais c'est à peu près l'App Exchange de Salesforce. 4000 sociétés qui ont décidé de développer des applications qui peuvent se connecter à cette plateforme pour que la solution globale soit simple à utiliser et intégrée. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on comprend, Isabelle Bascou, la SNCF, quand on l'entend avec Chagnot, disent il faut qu'on ait une base de données commune. Enfin, ça paraît une évidence comme ça, oui. mais en fait, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais c'est vrai que les systèmes d'entreprise n'étaient pas construits comme ça. Ils étaient reliés, mais ils n'étaient pas centrés comme ça. Ils étaient étanches. Ils étaient étanches, donc on faisait des connecteurs et puis des reconnecteurs. Donc, non, ça change beaucoup de choses. Et puis, ça change ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité d'innovation, c'est-à-dire que ça fait réfléchir les gens différemment en réalité. Et donc, de fait, ils se mettent dans eux-mêmes en système, ils se mettent en collaboratif, ils se mettent eux-mêmes en plateforme. Et comme c'est tiré par le client qui a un intérêt pour nous tous, qui est l'intérêt partagé des entreprises comme les nôtres, ça permet d'impliquer énormément et de faire bouger les organisations parce que ça fait bouger les modes de fonctionnement. Donc c'est assez intéressant, c'est une vraie façon de voir les choses. Moi j'aimerais ajouter ici que la SNCF garde ses qualités d'antan. La SNCF c'est une société que tout le monde connaît pour son caractère industriel, innovation, produit. Mais en faisant cette transition de penser de plus en plus aux clients, personne n'a dit qu'il fallait abandonner les bons sujets sur l'innovation produit et la qualité des produits. Mmh. Donc la difficulté, ça va être de combiner les deux. Mais ceux qui y arrivent sont en train de gagner des parts de marché. Oui, moi, je pense qu'il y a un des gros obstacles à relever, c'est vraiment l'histoire de l'organisation, parce que tout le monde veut aller de l'avant dans l'entreprise, mais c'est dans le management. De déciloter. C'est de travailler là-dessus, Isabelle Bascou. En fait, une fois qu'on a mis le client au centre et qu'on a donné le sens par le parcours client... Tout le monde comprend. Une fois que tout le monde se met dans cet état d'esprit, tout le monde comprend. De fait, on se repère dans une contribution qui est voilà. Non pas ce que je dois à mon chef ou à mon hiérarchique, donc une organisation silo, pyramidale, hiérarchique, mais ma contribution au parcours client, au fait que sur qui l'ensemble, par définition. Ça va être transverse. Et de fait, que ce soit en direction centrale ou sur le terrain, les choses évoluent comme ça. C'est-à-dire que la relation entre le vendeur et le client, face au client, elle va changer aussi. Oui. Vous disiez tout à l'heure, ça y est, on n'est plus un numéro, il le repère absolument. Par son nom, il a tout un historique, il a ce genre de choses. Absolument.
Mais ça aussi, c'est quelque... Enfin, voilà, il faut l'apporter. Enfin, c'est une information dont j'imagine le vendeur avait besoin, mais qu'il n'intégrait pas encore dans ses process, dans son mode de travail. Non, donc il y a un enjeu important aujourd'hui, c'est celui de l'ergonomie des outils et de la simplicité des outils pour que l'ensemble des collaborateurs aient envie de faire ça. Mais après, vraiment, encore une fois, une bonne entreprise de service, c'est une entreprise où les gens sont heureux de faire le boulot qu'ils font. Mmh. Vraiment, ça, c'est déterminant. On n'y arrive jamais autrement. C'est l'équation de base. Et du coup, c'est vrai que quand vous êtes un vendeur ou un chef de bord, que vous pouvez avoir cette relation qui n'est plus aveugle avec votre client, mais qui est ouverte, où vous lui dites, ben, vous repartez à Bordeaux, c'est vrai que vous y étiez la semaine dernière, ça se passe bien, vous n'avez pas besoin d'un abonnement. Ça change tout. Ça change tout, parce que du coup, ça crée aussi de la valeur à la relation, mais toujours dans les deux sens. Et alors, et vous l'avez dit il y a un instant, vous avez parlé quand on devient une entreprise de service, c'est ça qui change aussi. Oui. On a vu... On va réécouter, c'est Éric Chagnot, Chief Digital Officer de Michelin, qui explique justement comment Michelin, société industrielle, est en train de devenir une société de service. Et on vous fera réagir juste après, on l'écoute. La vision de notre CEO, Jean-Dominique Sénard, c'est vraiment que nous devons devenir une société de technologie. Donc on doit être capable, vraiment, c'est pour ça qu'il est en charge, il nous aide à cette transformation digitale, parce qu'on veut vraiment devenir une société de technologie avec une expertise particulière dans le domaine de la mobilité. Mais c'est vraiment notre objectif. Donc on est en train de faire beaucoup de choses, on est en train de regarder beaucoup de choses dans l'intelligence artificielle, dans les big data, donc on est en train de se transformer. Donc voilà, Éric Chagnot nous explique bien ça chez Michelin. Donc, société qui, voilà, un industriel tel qu'on peut l'imaginer, des pneus, ils travaillent même dans les mines, enfin, ils ont tout un tas de métiers très industriels. Et là, ils se transforment en société de service. C'est ce qui vous arrive aussi, Isabelle? Absolument. Nous sommes vraiment, et nous l'assumons, une entreprise industrielle et de service, puisque bon, le ferroviaire reste notre cœur de métier, mais c'est vrai que c'est le service qui fait bouger. La nature de la relation, la nature de l'attractivité des mobilités. Et c'est ça qui lui donne de l'innovation en réalité. Un train, c'est un train, la grande vitesse, ça fait 35 ans que ça existe. Donc c'est une très belle innovation, mais qui est ancienne. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des services qu'on met à l'intérieur et qui permettent d'augmenter le voyage, de le rendre plus plaisant, qui crée les nouveaux marchés. Et c'est vrai que c'est avec ça qu'on regagne des parts de marché dans un monde de mobilité. Donc et on le voit chez tous les industriels. Ah, on le voit chez j'allais vous dire, voilà, ça touche donc tous les secteurs de l'industrie, les sociétés dites de service ou les sociétés industrielles qui deviennent aussi des sociétés de service, des sociétés petites, moyennes ou grosses. Ça me fait penser à Schneider. Et encore une fois, la semaine dernière à San Francisco, une idée qu'on a eue en France, en fait, il y a 6 mois au World Tour Paris, où on a construit une ville en Lego et on a fait travailler avec nos clients et nos partenaires, donc Ingenico, Schneider, on a montré ce que ça pouvait être une ville connectée et ce que ça pouvait amener comme service. Et cette idée a beaucoup plu à notre président aux États-Unis et il l'a ramené, cette idée, à San Francisco. Ils ont construit, bien entendu, on est en Amérique, quelque chose d'un peu plus grand. Oui. Et il y avait un coin réservé à la France. Et dans ce coin réservé à la France, avec Schneider, on a fait une innovation de la lumière connectée. On arrive avec son iPad. On l'approche d'une lumière et tout d'un coup, sur l'iPad, alors que vous avez touché à rien, vous avez la fiche du bon produit. Et à 10 cm près, vous posez votre iPad à 10 cm près sur une autre lumière qui émet une autre fréquence. C'est connecté à Schneider, ça revient dans la base de données Salesforce. Et tout d'un coup, vous avez une fiche sur un autre produit. Imaginez les applications possibles dans tous les magasins, sans rien faire. Voilà des innovations qui, à l'origine de laquelle on trouve la France. Un tout dernier mot rapide, Isabelle Bascou, sur les nouveaux territoires d'innovation. Est-ce qu'on va chercher aussi, quand on est SNCF, est-ce qu'on va aller voir ce que font les Amazon, des sociétés dans d'autres domaines? Alors Amazon, évidemment, mais peut-être des sociétés dans le... Les startups, on va aussi beaucoup dans les autres domaines du voyage, les domaines de l'entertainment, puisqu'il y a quand même cette dimension dans le voyage, de plaisir, de loisir, etc. On va beaucoup dans les écoles. On a des gros partenariats, notamment avec la Web School Factory. Et donc, on se retrouve beaucoup. On fait travailler des très jeunes générations sur
sur leur projection du voyage. Et on échange beaucoup avec d'autres entreprises, souvent avec Nespresso, mais aussi avec Engie, qu'on a retrouvé là-bas. D'autres modèles. Toujours. On cherche d'autres modèles. De clients Salesforce, d'ailleurs. Et on échange. Ça nous donne du courage. Merci en tout cas à tous les deux, Olivier Derrien, directeur général de Salesforce France, et Isabelle Bascou, directrice de service SNCF Voyage, pour ces témoignages, cette nouvelle émission, ce nouvel épisode de l'ère du client. On se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode. Encore, voilà, on enchaîne sur le marketing, le commercial, la CT, l'innovation. À très bientôt pour ces hors-série, l'ère du client. Hors-série, les dossiers BFM Business.